Les moins bons souvenirs, en mono, j'en ai pas forcément des moins bons. J'ai des moments un peu plus durs. Il y a eu la descente en Italie, ouais, où ça, je pense que c'est pas, je suis pas le seul à avoir eu du mal dans cette descente. Une descente qui était très très violente. C'est la descente qui a, je pense que ça a marqué un peu le Muni, parce que moi qui étais à fond dans le Muni, mais là, je m'attendais pas à une descente aussi longue et aussi dure et technique, ce qui fait qu'on n'avait pas fait le repérage avant. On est parti comme des bourrins, moi le premier, mon frère aussi, un peu derrière. Et en fait, j'ai pas réussi à finir la descente parce que je suis parti tellement vite et du coup, j'avais pas fait les bons réglages de frein, ce qui fait que j'ai tout pris dans les jambes, ce qui fait qu'au bout de quelques kilomètres, hein, un kilomètre de descente, eh ben, j'étais Ah oui. mort. Ah oui, 1 km de descente, oui, ça commence à Voilà. piquer, ouais. J'étais complètement mort parce que ça c'était hyper raide et du coup j'avais pas fait les bons réglages. Je me faisais doubler par des gars qui avaient été bien tranquilles sur leur mono avec les mains sur le frein et du coup ça gérait et moi j'étais tout dans les jambes et je comprenais pas. Oui. Et ça, là j'en ai fui, on peut le dire, parce que du coup je me suis retrouvé en plus soif et après à me dire mais ça en finit jamais, je voyais jamais le bout. Du coup je me disais ça va être dans 100 mètres, c'est l'arrivée, c'est pas possible. Donc du coup je speedais quand même, et puis je voyais que 100 mètres après c'était toujours pas l'arrivée. À un moment donné j'ai demandé à un gars, c'est quand qu'on arrive? Il dit ah c'est encore plus loin, plus de la moitié. Ah bah là du coup ça m'a calmé. Le coup dur. Et voilà, c'était trop dur. Et là j'ai arrêté, j'en pouvais plus, j'ai dit là je vais me tuer là, j'en peux plus physiquement. Et donc là, c'était un passage compliqué, ce qui fait que ça m'a valu des bonnes courbatures aussi le lendemain, vu qu'on a tout pris dans les cuisses. Et d'autres s'en souviendront, hein, Bébert, tous ceux qui étaient avec moi à l'assaut. On a fait la descente et on en a chié pendant plusieurs jours après à marcher, à essayer de descendre les marches parce qu'on avait tellement mal aux jambes. Voilà, tellement de courbatures que celle-là, on s'en souvient. Elle a marqué mon corps. Ouais, elle a marqué le corps et l'esprit.